le savez, j'ai la chance, le privilège d'avoir cette jolie SL dans mon garage. C'est ma voiture de week-end, on va dire. Et en fait, cette voiture, je l'ai vue il y a 20 ans et j'avais pas les moyens. Et en fait, je me posais une question. Est-ce que dans 20 ans, j'aurai, premièrement, les moyens, et puis surtout, le même désir d'acheter sa remplaçante, à savoir regarder. Et ouais, vous l'avez vu derrière moi, le nouveau modèle SL 63, qui est, quelque part, la petite fille de ma mamie, la SL 500. Allez, on y va, c'est parti pour un essai. Esthétiquement, cette Mercedes SL 63 est quand même plus proche de la AMG GT que je trouve de la lignée des SL, même si on retrouve tous les grands codes. Le grand capot qui abrite le V8, regardez ici la petite bouche d'aération sur le côté, ok, et puis surtout les proportions à l'arrière, un tout petit porte-à-faux, et puis vous voyez l'arrière qui est dessiné un petit peu comme un os de sèche, comme l'était la 300 SL. Donc il y a quand même quelques références au passé, mais elle est résolument moderne. Alors, j'ai trouvé encore une autre référence, mais en fait, ça se cache un petit peu derrière le volant, parce que regardez, quand vous conduisez, eh bien en fait, vous voyez les deux bosses sur le capot. Alors c'est assez subtil, mais elles sont bien là. Alors la face avant, elle est quand même assez bestiale. Moi, j'aime beaucoup cette calandre parce que, regardez, elle est concave. Vous voyez, elle est ronde ici. Et si vous regardez bien la face avant, en fait, elle est un poil inclinée par là. Ça donne vraiment ce sentiment d'agressivité, l'impression que la voiture a envie de manger la route. Et puis, c'est souligné, bien sûr, par les feux ici, très agressif également. Et puis, sous les feux, les grosses bouches d'aération. D'ailleurs, la lame qui est en dessous est une lame active pour l'aérodynamique. Alors ici, on a des jantes de 21 pouces, alors qui sont une option. Et elles sont siglées AMG. Les étriers de frein sont jaunes. Et oui, parce qu'en fait, il existe deux versions de cette SL. La SL 43 et la SL 63. Et sur la 63, eh bien, les étriers sont jaunes. Ça permet de les reconnaître rapidement au premier coup d'œil, même si c'est marqué dessus. L'arrière cache quelques petits secrets, et notamment ici, et bien ça en fait, c'est un petit aileron qui peut se déployer. Et puis regardez en dessous les échappements qui entourent un extracteur. Pas de doute, la voiture est sportive. Dans la série des petits détails, regardez, sur les échappements, on a la signature AMG. En allemand, on dit AMG. Pour parler un peu des choses qui fâchent, oui, il y a des options, il y en a pas mal d'ailleurs. Bon, rien que les jantes de 21 pouces, c'est 2 300 €. Okay. Et si on regarde l'intérieur, alors, ce qui est étonnant, vous voyez, cet intérieur, c'est du cuir Nappa blanc. Alors, ils appellent ça blanc cristal et noir, manufacture. Alors, lui, entre guillemets, c'est ne facturé que 1 800 €. Bon, pourquoi pas, ça donne, je vous laisse admirer, un bon rendu, notamment avec le contraste de la carrosserie bleue hyper métallisée. Dans la série des petits détails qui font toute la différence, regardez sur le long capot, il n'y a pas ici la fameuse étoile, il y a le logo AMG, avec en haut la ville d'AMG, Affalterbach. Et en dessous, si vous observez bien à gauche, en fait, il y a un pommier, parce qu'en fait, c'est le symbole de la ville. Et à droite, eh bien, vous l'avez reconnu, c'est une soupape qui est là, le symbole, je dirais, de la capacité mécanique d'AMG. Voilà le cœur de la bête, ce V8. 4 litres, je vous le rappelle, 585 chevaux, estampillé AMG. Et comme toujours d'ailleurs, chez AMG, on a ici le nom de la personne qui a
valider justement sa fabrication. Il s'agit de Sally Denitzer. Bonjour monsieur, ou bonjour madame d'ailleurs. Star Cyril, bienvenue à bord alors. Bienvenue à toi, vous avez vu les copains, j'ai récupéré notre flot national, il est là. On est bien installé quand même. On est bien. Hey, on est quand même mieux dans une McLaren. C'est sûr. Bon alors. Franchement, c'est ce qu'on disait. On n'est pas dans le premium, on est vraiment dans le luxe. Hein. Regarde les matériaux, regarde le cuir, la souplesse même des sièges. La finition ici de la capote. Finition abeille. Bon, elle est là, elle est avec nous, mais il n'y a pas de souci. Ouais, on va pas l'embêter. Au pire, on décapote. Hein. Peut-être qu'elle demande que ça. Une nouvelle invitée, les amis, on va décapoter. Allez, tu sors, voilà. Ça y est, elle est sortie. Il n'y aura pas parce que de maltraitance d'animaux. Chez Cars Passion, on aime les animaux, les animaux, même les petites abeilles. Et même les animaux nous aiment. Ouais. Bon, alors revenons à quelque chose de plus bestial. Bestial ici, tu le sens bien, on est quand même dans un environnement très luxe. Ouais, carrément. Regarde, t'as du carbone, de l'aluminium, t'as beaucoup d'options technologiques. Super techno, hein, tu peux t'amuser comme un gamin. Ouais. Moi, je demandais que ça. Hein. Mais sous sa robe se cache quand même un monstre, puisque, pas oublier, on est quand même dans une AMG. Et ici, la version 4-matique, elle a l'avantage de gripper de fou. Ouais. Ah oui, c'est une version 4 roues motrices. Donc là, on va faire un petit démarrage tout gentil, comme on a l'habitude de les faire. Ah, t'es en confort quand même. Je suis en confort. Alors ici, tu vois, c'est le mode de conduite. Je peux le mettre en sport plus. Ah oui, ça change aussi l'écran. Et ici, tu as tous les paramètres. On est bien. Ça reste safe. Hein, Bon. Voilà. Tu veux accélérer ? Bah vas-y. Parce que elle fait elle fait les 0 à 100 en 3 secondes 6 quand même. Ah ouais, quand même. Pour une tonne 9. Ah, faut que je m'accroche alors. Ouais, allez, on y va. Tu sais ce que je vais faire ? Fais un petit vroom vroom un peu avant. T'as activé les clapets. Je les ai activés, Alors pour faire le vroom vroom, excuse-moi, je vais me mettre en neutre. Il va mettre le warning. Voilà. Oh oui. Attends, vas-y, fais voir un petit peu. Je suis en drive, je suis en sport plus. Bon, on y va. C'est parti. Je m'approche. Ah oui, quand même. Ah oui. Bah, je m'attendais pas à ça. C'est quand même violent, en fait. Hein. C'est violent, on sent tout le poids à l'arrière. Ouais, c'est ça en fait. Mais t'as le V8 qui hurle le quand même. Le transfert de masse, quand même. Les sensations de conduite. Je te rappelle que moi aussi, je voulais essayer ce SL63 pour me dire est-ce que dans 20 ans, ce sera un collector que j'aurais envie d'acheter comme j'ai pu le faire avec mon R230. Bah, déjà, son volant, j'ai pas du tout la même sensation. Oui, bah. Là, tu sens la masse. T'as combien d'années d'écart déjà ? Ouais. T'as 20 ans, mais tu sens que t'es dans une voiture beaucoup plus grosse et sur la route, regarde le capot, là t'as vraiment c'est énorme. Et donc du coup, quand tu veux faire de la conduite dynamique, même si le châssis est très bon, pour l'inscrire en virage, c'est moins typé sport, c'est-à-dire que j'irais pas faire un track day avec, tu vois, par exemple. Non, mais après, est-ce que c'est la philosophie du SL ? Non, c'est pas la philosophie. Voilà, la philosophie là, parce que t'es sur une 63 AMG, donc là t'as envie de faire un petit peu... Je suis en sport plus, tu vois. On sent que ça veut partir de l'arrière quand même. Heureusement, il y avait 4 roues motrices. Et on sent que ça grippe dans tous les sens pour te remettre sur la route. Alors maintenant, je vais me remettre en confort parce que là, tu sens quand même. Tu sens toutes les vibrations de la route. T'as les suspensions pilotées du coup. Là, t'as les suspensions pilotées, mais ça filtre quand même. En sport plus, ça filtre pas tout. Oui. T'es quand même bien sur. Là, t'es en confort, donc là, t'auras des. Là, je suis en sport plus. Maintenant, je vais me mettre en confort. Alors. Ah oui, t'étais en. Ah oui, d'accord, oui. T'as tous ces modes là. Ouais, d'accord. Donc, t'as confort, sport, sport plus. Oui, ok, d'accord. Alors par contre, moi, je trouve qu'en confort. C'est bien, hein. Non ? Ça pourrait être mieux. Ah. Moi, je suis bien. Non, c'est comparé exigeant. À la McLaren Non, mais c'est pas comparable. Encore une fois, on est dans une sportive de luxe. Je compare ça, par exemple, à une Continental GT, tiens. Eh ben, une Continental GT, quand t'es en mode confort... Une GTC, du coup. Une GTC. Mmh. Quand t'es en confort, je peux te dire que c'est un tapis volant. Là, en confort... Ouais. Ça mériterait d'être encore un peu plus confortable. Ouais, c'est tu vois. Notre philosophie. Elle a le cul entre deux chaises. C'est ça que tu as envie de dire, en fait. Hein. Elle n'est pas autant dynamique qu'on pourrait le croire et elle n'est pas autant confortable qu'on pourrait le croire. C'est ça. Alors, elle est hyper dynamique, mais on ne le sent pas beaucoup. Parce que moi, l'accélération qu'on a faite tout à l'heure, on a fait un 0 à 100, je vous rappelle, 3 secondes 6, c'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai que ça reste feutré, finalement, en termes de sensation. On n'a pas la violence de la sportive. Elle est quoi, du coup ? Il faudrait s'orienter vers la future AMG GT ? C'est
c'est ça que t'es en train de nous dire? Ouais, hein, ça c'est peut-être pas mal en fait. Peut-être pas mal, hein, finalement. Un message subliminal pour Mercedes. Voilà. Bon, peut-être un futur essai sur cette version-là. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est pas mal. Ouais. C'est un mélange des genres quelque part. Ouais. Mais moi, Flo, je te propose d'en prendre le volant. Et ben, on va voir ça. Et de nous dire ce que t'en penses. Allez, on va voir ça. On switch. Alors Flo, qu'est-ce que tu viens de découvrir? L'affichage Super Sport, ça je connaissais pas, tu vois. Ah ouais? Bah c'est un affichage qui est propre, je pense, à cette SL63 AMG. Je pense que tu l'as dans la GT aussi. Sûrement dans la, dans la GT. Mais ouais, après t'as les autres affichages classiques, bah t'en as pas mal. Du coup, ça rajoute encore plus ton interface. Et puis là, t'as le Track Pace et je crois que tu peux avoir le circuit aussi. Alors est-ce que tu vas faire du Track Day avec? Honnêtement, non. Parce que tu vas bouffer tes pneus. Tu vas bouffer ton plein en deux tours. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas une voiture c'est pas une voiture typée circuit en fait. Ouais. Alors, je voulais mettre la marche avant. Et petite dédicace à un des poteaux Ersin qui me disait: moi je prendrai jamais de Mercedes parce que j'aime pas les commodos ici. D'accord. Et c'est vrai que sur l'ancienne AMG GT ou même la SL, je crois, t'avais ici t'avais un pose paume comme t'aimes bien. Bah, et puis il manque le levier, tu vois, il manque le truc pour prendre en main la voiture. Alors ils ont laissé le pose paume. Mais ils ont. Mais il y a plus rien là. Donc ils ont juste mis un bel écran, ok, tu peux faire mumuse comme ça. Ça fait 8 fois que tu le fais, hein. Ça t'aime bien. Hein. Mais voilà, bah écoute, on y va. Allez, c'est parti. Allez, bah du coup j'enclenche la marche avant, ici, au volant. Allez. Et puis, c'est vrai que par contre t'es assis bas, t'as le capot avec les deux nervures là. Eh oui, ça c'est SL ça. Ça c'est SL, et puis oui, bah elle demande qu'à partir, rien de t'appuie, hop. Oui, d'accord. Bon, par contre on n'est pas sur des conditions... météorologiques qui sont optimales, mais écoute, on peut se faire une petite accélération. Ouais, si tu veux. Alors j'ai pris. Ah, tu sens que ça part quand même. Hein. Ouais, ça part. La route est grasse. Et mais... je te donne un chiffre, 800 Nm. Ah oui, quand même. Bah quand même. Ah, quand même. Et en poids, on est à combien à peu près? Une tonne 9. Ah ouais. Vitesse max? 300, non? Je l'ai plus en tête, mais je crois qu'on est pas loin de 300. Ouais. Ouais. Décapotable, t'as essayé, non? Décapoté à 300? Non, j'ai pas fait ça. Bon alors, Cyril, ouais. C'est à moi de te poser quelques questions. Allez, dis-moi. En termes de motorisation, on a quoi disponible sur la SL? On a la 63 MG. Oui, il y a la 43. 43, on a que deux motorisations? Ouais. D'accord. On n'a pas la SL500, par exemple? 43, on va pas en parler, parce que bon, 4 cylindres, ça va râler. Non, on n'a si pas... Si vous voulez qu'on l'essaie, vous nous le dites, on peut le faire pour vous. On peut le faire, hein, franchement. Mais c'est vrai que oui, ça risque de jaser un peu, quoi. Hein, 4 cylindres sur la SL. Bon. Allez, on se fait une dernière accélération. Allez. Toi, t'as vraiment envie de me faire dépenser du carburant. Pardon. Là, on a déjà dépensé depuis que je tourne, c'est-à-dire depuis 2 minutes. Tu me dois 22 euros. Ah, on sent que l'électronique est gère. Ah oui, mais t'es obligé. Ouais, c'est super facile de conduire ce genre d'engin. Oui, mais tu peux pas tout débrancher et puis partir comme ça. Bah, faut être un pilote, quoi. Mais bien sûr. Mais à la moindre accélération, ça part de l'arrière. Mais bien sûr. Même si t'as les 4 roues motrices, tu sens que la voiture, elle a envie de bouger, quoi. Elle a envie de vivre, quoi. C'est une SL, quoi, AMG, quoi. Allez, on y va, là. Non, j'arrête parce que là, Cyril, il est en transpiration, il est connecté avec son banquier, il dit « Mon coco, là, tu me dois déjà 2 pleins. » J'ai reçu 28 SMS de ma banque qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce normal les débits chez Total depuis hier ?» Et ça consomme combien, du coup, à peu près, là? Non. Et le plein, il fait combien? Ah, attends, non, on va partir sobre. Quand je fais de l'éco-conduite, parce que j'en ai fait, je suis à 14-15 litres. D'accord. Est-ce que c'est une voiture pour faire de l'éco-conduite? Pas raisonnable du tout, cette voiture. Non. En fait, là, si on regarde les consos instantanées, on doit être à 45. Ouais. En faisant les idiots, hein. Bon. En fait, est-ce que le sujet conso est vraiment un sujet pour cette voiture? C'est pas... Non. Quand tu commences à marquer 63 derrière une Mercedes, tu parles pas de la conso. C'est marrant, cette animation. Je suis en train de faire joujou en même temps que tu me parles. Moi, je trouve que c'est pas pratique. Tu dois rester sur le bouton comme ça? Eh ben, comme sur la SL500, tu dois rester sur le bouton. Ouais. Mais, d'accord, c'est marrant. Lumière. Ah, c'est pas mal. Là, c'est tout l'avantage d'un SL quand même. Ah bah oui. Comme la tienne d'ailleurs. Eh oui, c'est de rouler décapoté. Bien sûr. Et d'entendre le feulement du V8.
qui est sympathique. Alors, je vais vous montrer un truc rigolo. Quand tu ouvres le toit, l'écran automatiquement s'avance vers toi. Bah oui, comme ça, tu as moins de reflets vu que tu as le ciel. C'est pour les reflets du cabriolet. Donc, spécifique au cabriolet, alors. Oui. Ok, intéressant. Bon, on va fermer la capote parce qu'il fait froid, en fait. Hein. Ouais. Et donc, il faut faire ça. C'est ça. Et tu vois, moi, j'ai mes doigts. C'est... Moi, le tactile et moi, ça marche pas. Hein. Mais moi, c'est pareil. Hein. Oh, c'est horrible. Alors, c'est technologique, c'est sympa, mais moi et le tactile, c'est horrible. Je dois avoir une circulation du sang qui n'est pas faite pour ça. Moi, je me pose juste la question de comment ça va vieillir, tout ça. Comme nous, mal. C'est vrai. Cyril, je peux critiquer juste un petit point ? Ouais, vas-y. Bon, attends, je vais te montrer à l'arrière, regarde. Ouais. Je te suivais depuis tout à l'heure. Ouais. Bon, faut avouer que la couleur, elle est magnifique. Oui, elle est folle. Et les gens, j'ai filmé les gens, la réaction des gens, les gens te regardent. Ah, ouais. Ah mais c'est absolument incroyable. Mais par contre, moi j'étais à l'arrière, j'ai vu un petit truc qui me choquait. Ouais. Là, tu vois rien. Ouais. Et là, eh ben, dans la ville, en fait, t'avais une caméra comme une verrue qui sortait. Là, on la voit pas et c'est assez disgracieux. Bah. D'accord. Bah, écoute, tu la verras dans la caméra, ça sera la surprise. Dans la vidéo, tu la verras. Okay. Mais en tout cas, la couleur est magnifique. Tu me disais, c'était quoi la couleur ? C'est bleu hyper métallisé. Hyper métallisé. Bon, moi je te laisse reprendre la route avec. Et moi je vais reprendre la petite série 1 120i, autre chose. Ouais, hein. On divise le moteur par 4, par 2. Pas par 4, mais ouais, par 2. Et le prix par 1000. Et par 1000, ouais. Ah, alors je sais pas si vous l'a dit Cyril, mais il a les roues arrière directrices sur sa SL. Pas mal hein, pour manœuvrer en ville comme à la campagne. Allez, c'est le moment de prendre place à l'intérieur de cette petite beauté. Regardez déjà le détail ici de la poignée de porte avec inscription Mercedes. Ça a l'air d'être de l'aluminium et les poignées se rétractent quand on roule. Ça donne une carrosserie totalement lisse. On dira que c'est pour l'efficience. Alors, voyons voir la finition de la contre-porte. Bah, c'est pas mal du tout, hein. Regardez ici, les petites surpiqûres. J'aime bien l'intégration ici de l'enceinte Burmeister. On a la petite platine noire laquée avec toutes les commandes de siège. Alors siège chauffant, ventilé et même massant. On a aussi du carbone, côté sportif. Les boutons sont en aluminium. C'est vraiment... C'est au-delà du premium en fait. Là, on peut le dire, dans le luxe. Hein. C'est très joliment fait. De nuit, vous avez des LED ici qui parcourent, qui sont paramétrables. Sur le seuil de porte, la baguette AMG. Et puis, regardez donc l'intérieur. Ce cuir Napa blanc avec le logo AMG sur l'appui-tête. Et puis ici. Vous voyez les petites grilles là ? C'est parce qu'en fait, on a un chauffage de nuque. Ce qui est plutôt pas mal quand on est en cabriolet et qui, comme aujourd'hui, il ne fait pas un super temps. Allez, on continue le tour intérieur. C'est un cabriolet 2 plus 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, ben, on a deux petites places. Alors, comment vous dire ? Deux petites places. Regardez l'assise, comment elle est droite. Honnêtement, il faut être un peu puni hein, pour se mettre derrière. Mais c'est faisable, je l'ai fait. J'ai mis un enfant derrière, il m'en veut encore, mais je l'ai fait. Et d'ailleurs, à propos ici d'habitabilité, on va partir du côté du coffre. Et ce qui est agréable, notamment d'ailleurs par rapport à ma version de SL, vous voyez la capote en toile est repliée ici. Et bien en fait, elle n'empiète pas sur la dimension du coffre. Dimension du coffre qui est de 213 litres. 213 litres honnêtement, pour deux. Ça permet de partir en week-end, voire en voyage relativement sereinement. Allez, suite du tour intérieur, il faut parler du volant. Il faut vraiment que je vous parle du volant parce que regardez, c'est quand même une pièce d'exception. Alors, perso, j'ai quand même deux, trois choses pas sympas à dire, notamment au niveau du nombre de boutons. Trop de boutons, vous voyez, deux rangées ici, deux rangées là, un là, un là. Bon, faut un certain temps pour s'habituer. Et ce que j'aime pas, surtout en fait, c'est...
ce toucher tactile. Vous voyez là, par exemple, pour le son, honnêtement, une fois sur deux, on n'arrive pas à régler. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, mais moi, j'aime pas. Je préfère les petites molettes à l'ancienne. Remettez-moi une petite molette en aluminium, j'aime bien. Et puis derrière le volant, et ouais, les palettes en aluminium qui permettent de passer les 9 rapports de la boîte AMG. Et bien au centre, vous avez cet écran alors inclinable, hein, la position est réglable. Et puis derrière, le bouton marche arrêt. Honnêtement, je trouve qu'il n'est pas super bien placé parce qu'en fait, il faut le trouver, vous voyez. Hop, on l'a caché, il est là. Ça aurait été plus sympa d'avoir un gros bouton rouge ici pour une mise à feu. Bref, alors le système embarqué, c'est le MBUX, hein, vous le connaissez. Il y a toutes les fonctionnalités, y compris le siège massant chauffant, tout, les contrôles de trajectoire, de maintien dans la voie, de lecture de panneaux, de détection des piétons. Bref, c'est vraiment un très très haut niveau technologique. Allez, je vous le dis, moi je trouve que c'est un poil trop. C'est pas forcément ce que j'attends d'un SL, mais moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez old school. On en profite pour continuer le petit tour intérieur. Voilà, on admire les finitions parce que c'est quand même très 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 bien fini, ajusté, assemblé. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, bah pour moi, là on n'est plus dans le premium, on est carrément dans le luxe. Bon, les copains, vous savez, je suis habitué au luxe, hein. Il y a un truc qui me chagrine. Ouais, je sais, je pinaille, mais regardez. Il n'y a pas le soft close, on est obligé de claquer la porte à l'ancienne. Alors, en termes de design est quand même flagrante. Regardez ici, on a 20 ans d'écart entre les deux voitures et c'est bien bien marqué. Cependant, on retrouve quand même quelques caractéristiques communes. Alors, sur celle-ci, vous avez sur les ailes, vous voyez, ce petit rappel à l'ancêtre, la légende, la 300 SL. Vous les avez également ici. Alors, c'est moins marqué, mais elles y sont. C'est le petit clin d'œil. En fait, en termes, je dirais, de points communs stylistiques, il ne va pas y avoir grand-chose de plus, vous le remarquez bien. Il y a quand même quelque chose qui est flagrant, c'est les proportions avec cette longueur de capot. Vous voyez, parce que sous le capot, eh bien, il faut bien loger le moteur. En l'occurrence, un V8 de 585 chevaux pour le nouveau modèle et un V8 de 304 chevaux pour l'ancien. Si on joue au jeu des comparaisons, regardez, quelque chose de flagrant ici. Vous avez un logo Mercedes sur le capot. Oui, parce que cette 500 a été fabriquée chez Mercedes, alors que regardez celle-ci. Certes, vous avez le logo ici, mais le détail, il est là. Et ouais, AMG, parce qu'en fait, le nouveau SL est fabriqué chez AMG, directement. Comment ça se passe quand on allume une SL63? Alors déjà, regardez, moi je trouve que le bouton, il n'est pas super bien placé quand même. Il faut passer la main entre le volant, la tablette, etc. Bon, allez, passons. Bon, sur le volant, il y a 40 milliards de boutons, mais je veux juste faire un petit focus sur ce petit bouton-là. Vous voyez ici, en fait, vous avez un double affichage et deux petits interrupteurs. En fait, ces boutons sont paramétrables. Et c'est vachement sympa parce que, regardez, si je vais ici, donc dans le menu AMG, que je vais sur le Dynamic Select, non, sur le Setting Select, regardez, là, vous avez ce fameux bouton qui est représenté. Et vous pouvez dire, en haut, je veux, par exemple, comme moi j'ai fait, le pot d'échappement, les valves, etc. En bas, bah tiens, en bas, là, j'avais mis l'aileron. Bon, en fait, là, moi, maintenant, en bas, je vais mettre, hop, les suspensions. Ce qui fait que, regardez, sur mon bouton maintenant, ici, j'ouvre les valves. Et là, je change
les suspensions, confort, sport, sport plus. Petit bouton de raccourci, vraiment pratique et paramétrable. Bien évidemment, comme dans toutes les Mercedes, on retrouve le système MBUX hein, qu'on vous a déjà décrit pas mal de fois. Ici, ce qui est rigolo, par exemple, regardez, c'est que la tablette, là, je peux la régler en inclinaison. Et hop là. Avec ce genre de détails, je me pose toujours la question de savoir comment ça vieillira dans le temps. Bref, on a également un petit raccourci ici AMG. On va démarrer le véhicule pour pouvoir sélectionner. Et donc, c'est dans ce menu AMG que vous allez pouvoir paramétrer, vous voyez, les différents modes de conduite avec à chaque fois des réglages pour eh bien, le moteur, le châssis, etc. etc. C'est assez pratique. Et puis, comme je vous l'expliquais précédemment, c'est là aussi que vous allez avoir le paramétrage du fameux petit bouton magique qui se trouve... ici, à côté du volant. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Affiche les réglages de siège. Tout ça pour vous montrer quoi? Regardez que ici, on a des petits sièges massants. Et ça, franchement, j'adore. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle marque de voiture préfères-tu? La même que la vôtre, sinon vous ne seriez pas ici. Bien joué, Mercedes. À chaque fois qu'on s'arrête à un feu, cette Mercedes est sympa parce que comme elle sait qu'on n'a pas forcément une super bonne visibilité, eh bien automatiquement, regardez, hop, elle m'affiche la vue sur le feu. Comme ça, en fait, si je vois pas trop le feu de l'intérieur, et ben regardez, je le vois sur mon écran. C'est quand même un vrai plaisir de rouler toit ouvert, vous voyez, même s'il fait pas beau, on s'en fout, parce que regardez derrière moi, j'ai un chauffage au niveau de la nuque, j'ai également les sièges chauffants, et on profite vraiment là du son du V8. Là, j'avoue, bon moment de plaisir et de kiff. Ok, j'ai un peu déconné. Regardez la conso. Il y a 40 litres au 100. Bon, il faut dire que voilà, j'ai fait des images pour vous, les amis d'ailleurs. Et du coup, bah, j'ai un feu un peu fait l'idiot avec la voiture. Et ça se paye cash, hein, 40 litres au 100. On va se détendre un petit peu. Hein. Quand je vous dis que la voiture est technologique, regardez. Les sièges, on peut les régler d'ici, avec un soutien lombaire paramétrable, les joues latérales. Et regardez, on a même la possibilité de paramétrer de manière automatique les sièges. Enfin, la voiture va les paramétrer par rapport à votre taille. Bon, ça commence à faire beaucoup là quand même. Bon, du côté du réglage des éclairages de l'ambiance intérieure, ça peut être très très vite ambiance carnaval. Hein, parce que regardez là, on peut être en multicolore, avec des dégradés partout. Regardez. Là, vous trouvez pas votre bonheur. Bon, je sais que vous aimez les chiffres, alors je vais vous en donner. On a sous le capot un V8 de 4 litres. Alors, 4 litres, oui, je sais, elle s'appelle SL63, donc ça fait pas 6 litres 3, ça fait 4 litres. Mais ce sont 4 litres avec 585 chevaux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est 800 Nm de couple. Je peux vous dire que ça arrache le bitume. Et il faut bien, parce que la bête, là, c'est plus de 1800 kg. Donc forcément, il y a un moment, bah, il faut du couple, il faut de la puissance. Si on continue dans les chiffres, eh bien dans les chiffres, notre version ici débute pardon, à 197 850 euros. Bien sûr, on va rajouter, saupoudrer deux, trois options, comme ces jolies jantes, comme ce joli intérieur, deux, trois babioles par-ci par-là, mais il n'y a pas grand-chose de plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, toute l'électronique embarquée, elle n'est pas optionnelle.
c'est compris dedans. En fait, ici, sur ce modèle essayé, à part, encore une fois, les jantes, l'intérieur, il n'y a pas d'option. Tout est compris, ça nous amène quand même à un budget de 214 000 euros. Et on oublie, non, on l'oublie pas, mais il y a l'État qui passe par là et qui va prendre en 2024, qui va prendre 60 000 euros. On arrive quand même à un total pas loin de 280 000 euros. Ça commence à piquer sévère. Dites-moi, vous, dans un cabriolet haut de gamme, je ne parle pas d'une hypersportive, hein, je parle vraiment d'un cabriolet luxueux, haut de gamme, à 280 000 euros. Vous iriez plutôt chez qui ? Chez les Allemands ? Chez les Anglais ? Chez les Italiens ? Eh bien, vous me le dites en dessous. Bon, je profite d'un petit passage à la pompe, faut dire qu'ils sont un peu fréquents, pour vous faire le bilan de cet essai. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais cette ESL63, c'est en fait tout le savoir-faire de Mercedes en termes d'aide à la conduite, d'électronique embarquée, de confort, de luxe, et tout le savoir-faire AMG en termes de moteur, de boîte, de châssis. Donc en fait, elle est hyper efficace, elle est utilisable au quotidien, on peut en faire un daily, elle est utilisable en conduite dynamique, voire sportive, en circuit un peu moins, hein, je vous rappelle, une tonne 9, mais elle est quand même vachement polyvalente, cette ESL 63. Alors, qu'est-ce qui pêche vraiment? Ce qui pêche, c'est sa conso, hein, je vous l'ai dit. Allez, en moyenne, faut pas compter moins de 17-18 litres, en moyenne. Du samplon, évidemment, du samplon 98 le plus cher. Et bien évidemment, ce qui pêche aussi maintenant, eh bien, ce sont les nouveaux malus 2024, 60 000 euros. Ça commence à faire cher. Mais je ne viens pas sans une bonne nouvelle. Et oui, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans ce monde anti-voiture. Eh bien, en fait, Mercedes vient d'annoncer, je vais dire la remplaçante, parce que celle-ci n'aura plus vraiment lieu d'être, la SL63E. Pourquoi E? Parce qu'il y aura une hybridation, en fait. Il y aura un petit moteur électrique, donc couplé au V8 de 4 litres, comme ici. Et donc, il y aura un total de plus de 800 chevaux. Et surtout, la très, très bonne nouvelle, les amis, c'est que du coup, la consommation, elle va être en baisse, surtout en ville, puisqu'on roulera principalement en électrique. Et il y aura plus de malus. Ça, c'est vraiment des choses qui font plaisir. Donc, les aventures en SL, c'est pas fini. Bon, au-delà du bilan pur et simple de cette SL63, la question de départ que je me posais, c'était, comme pour mon SL500, R230, qui est de 2002, est-ce que dans 20 ans, j'aurai envie d'acheter celle-là? En gros, est-ce que celle-là va devenir quelque part un collector, un futur youngtimer? Ben, en fait, la réponse, ça sera non. Ça sera non parce que, hormis les énormes qualités de cette voiture, encore une fois du SL63, je trouve qu'il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses qui me font peur, on va dire. Premièrement, le V8. Le V8. Il est fabuleux, les qualités dynamiques, j'ai rien à dire. Mais la conso, waouh! Quand on veut commencer à s'amuser, on est aux environs des 25 litres. Et dans 20 ans, comment ça va se passer pour consommer 25 litres au 100? Est-ce qu'il y aura toujours le carburant? On verra. Ça se trouve, il y aura des carburants de synthèse et en fait, tout ça sera oublié et on pourra consommer aisément du 40 litres au 100. On ne sait pas. Mais il y a un autre point quand même, c'est toute l'électronique embarquée, les aides à la conduite ici sont folles. Il y en a des tas, bref, tout est électronique, tout est électrique jusqu'à la poignée de porte qui sort, qui d'ailleurs parfois a un peu de mal à sortir. Enfin bref, j'ai eu 2-3 petites bêtises avec ce SL63 qui pourtant n'a que 11 000 km. Donc en fait, ça me fait peur aussi. Est-ce que dans 20 ans, il y aura quelqu'un qui sera capable de l'entretenir, de la réparer? Si je reviens à mon SL500 de 2002, oui, il y a toujours des techniciens, il y a toujours des pièces. Bref, on peut encore la réparer. Alors, certes, c'est coûteux, mais quand je vois celle-ci, ça me fait peur pendant 20 ans. Donc, encore une fois, ma réponse sera, dans 20 ans, je ne suis pas certain d'avoir envie d'acheter celle-ci. Même si, encore une fois, ça reste une excellente voiture. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de vous dire, eh ben, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Et puis, on voit ce qui s'est passé. Allez, ciao les amis.